Adaptation des populations aux changements globaux, la place des nouvelles approches pour le changement de comportement. C'est autour de ce thème que 200 participants, décideurs et chercheurs de 35 pays échangent leurs expériences à Grand Bassam. Il s'agit de s'appuyer sur la recherche pour résoudre les problèmes de santé qui minent le continent africain. Car avec une population de près d'un milliard d'habitants, représentant environ 14% de la population mondiale, l'Afrique enregistre 25% de décès dans le monde. Les changements climatiques, les migrations et l'urbanisation, avec leurs effets négatifs sur la santé, sont entre autres des causes de mortalité. C'est une approche qui combine la société avec l'environnement en prenant comme indicateur principal la santé. Et en intégrant ces approches dans les systèmes de santé, les chercheurs, les praticiens et les décideurs peuvent réellement contribuer à répondre à la complexité que nous vivons dans ce monde aujourd'hui. Pour les participants, il faut un changement de mentalité et de comportement des populations pour atteindre les objectifs escomptés. La santé rime avec l'environnement et qu'il est important de pouvoir entretenir son environnement pour être en bonne santé. C'est pour permettre aux États africains d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en 2015 sur le plan de la santé et de l'environnement que se tient cette rencontre.